Salut tout le monde et bienvenue pour notre deuxième épisode sur Ori and the Blind Forest, un petit jeu absolument magnifique. J'ai été très émerveillé lors du premier épisode, vous avez peut-être pu le sentir, et puis en plus j'étais content parce que j'ai pu faire mon narrateur avec les textes qui s'affichaient. Donc vraiment une ambiance magique, donc je me replonge avec très grand plaisir dans ce jeu et j'espère que vous aussi vous prenez autant de plaisir que moi à explorer ce monde merveilleux qu'est le monde d'Ori and the Blind Forest. Donc, nous sommes de retour avec le petit Ori accompagné de la fée qui s'appelle Sane, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, on a un choix. On doit aller soit au bosquet creux, soit aux grottes mystiques. Et j'ai réfléchi entre temps et je ne sais même plus ce que j'ai décidé. Donc faut que je réfléchisse encore. Et en direct cette fois-ci. Alors, bosquet creux ou grotte mystique. Alors. Bon. On va aller aux grottes mystiques. J'avais oublié lui. Donc on va aller aux grottes mystiques, puisque c'est par là qu'on doit aller apparemment. Oh mais... Oh le naze. Bon ok, on va encore se moquer de moi, mais je les vois jamais ces trucs là. Je les vois jamais, c'est horrible. Va falloir que... Va falloir que j'ouvre grand les yeux. Hein. Non, je peux pas descendre là. C'est ici que je peux descendre. Je pouvais pas descendre là, c'était une grosse erreur. C'est une très très grosse erreur. Bon voilà. Zoop. Ah, c'est qu'ils peuvent quand même me toucher lorsqu'ils sont plus bas. D'accord. Le lien d'âme est prêt, d'accord. D'accord. Donc toi là-haut, je te détruis. Je récupère un petit peu d'expérience. Ah d'accord. Je récupère de la vitalité. Ça, je détruis. Ça aussi. Yep, voilà. Comme ça, on n'est pas embêté. Alors, attendez. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose là-haut? Donc, on va essayer de remonter. On va essayer de revenir. En tout cas, ça fait vraiment très plaisir hein, de se replonger dans ce monde merveilleux. D'accord, c'est un portail aux esprits. Donc, j'ai bien fait de descendre. Donc, il nous faut des pierres clés. Comme lorsque nous sommes entrés tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, dans l'épisode précédent, je veux dire. Donc on va voir ça. Alors qu'y a-t-il? Ori, ceci est une pierre carte, l'une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nibel, qui ne cessait de s'étendre. Il en manque un morceau. Si nous parvenons à trouver un fragment de pierre carte, nous pourrons peut-être la reconstituer. D'accord. Mais je ne l'ai pas, donc je ne peux pas le placer. Ah bah il est là. Ouais donc ça, il y en aura d'autres hein, certainement. À moins que ce soit une pierre clé. Ouais, c'est pas un fragment de carte. Pierre carte, c'est une pierre clé. Donc on en a déjà une sur les deux. Ah, et les ennemis reviennent en plus. Bah, moi je suis d'accord. Hein, plus d'expérience pour moi. D'accord. Puis j'ai besoin de vitalité, s'il vous plaît. Merci bien. Hop là, voilà. Donc je récupère tout ça. Ça roule en plus. Donc je récupère tout ça, merci. Voilà. Donc on avance. Le lien d'âme est prêt, merci bien. Ah, je suis trop loin pour éliminer cet ennemi. Yeah. Ok. Ah, j'ai avoir du mal à remonter, je pense. Même si je maintiens espace enfoncé, ouais, d'accord. Bon. Il y aura certainement un autre moyen d'aller là-haut. Ou alors peut-être qu'on n'est pas censé aller là-haut. Et je me doutais bien que ce truc-là blessait. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je suis pas doué. Hop là, hop là, hop là. Alors, on va voir un truc avec cette plateforme-là, je le sens. Alors, attention, parce que j'ai presque plus de vitalité. Moi je veux bien récupérer. On peut pas rebondir sur les murs, c'est dommage. Bon, du coup je me suis fait avoir parce que je voulais absolument avoir les points d'expérience. Zop. Je prends ça aussi, merci. Wow.
Alors, j'ai gagné un point de compétence apparemment, et ces trucs-là, je peux pas les détruire. D'accord. Je saute par-dessus. Là, je saute bien par-dessus. Alors, on va créer un point d'âme. Un lien d'âme, plutôt. Une partie sauvegardée. Alors. On a deux points de compétence à dépenser. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La création d'un lien d'âme rétablit une cellule de vitalité, ça pourrait me servir. La plupart des objets à récupérer flotte vers Ori et permet de lancer 3 flammes avant de devoir recharger. D'accord. On va se prendre les deux là, ouais, sans réfléchir. Après on réfléchira peut-être à d'autres choses. Ok. Donc ça c'est bon. Ça fait mal j'imagine. Tester un truc, c'est censé se décharger normalement, non? Alors pourquoi ça se décharge pas? D'accord, bon, j'ai pas encore saisi tous les mécanismes. Hein. Oh, certains gardèrent espoir, refusant ce destin. Mais j'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose à droite. J'avais vu une zone à laquelle je n'étais pas encore allé. Alors même qu'elle les massacrait un à un. La lumière de l'arbre aux esprits brille en chacun de nous. Il nous a permis de vivre, de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te trouvions, à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi. Ne reste d'eux que ces arbres ancestraux. Approche et absorbe la lumière de fil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Yay! Tu maîtrises le saut de mur! Donc effectivement, on peut bondir vers le haut. D'accord, donc on peut remonter les murs, donc ça c'est vachement pratique. C'est parfait. Donc comme ça. Voilà. Ah. Tu as trouvé une cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Ok. Parfait. Ah, c'est toujours aussi beau quoi. Attendez, je monte un petit peu le son dans mon casque parce que là j'entends pas assez. En plus la musique m'a l'air... Il m'a l'air vachement sympathique. Hein. Oh, pff, évidemment, je l'ai vu à l'aller, je le vois pas au retour. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Voilà. Ah non, tu croyais quand même pas que j'allais me faire, j'allais me faire avoir. Certainement pas. Aou. Ça fait mal. Oh yeah! Ouais, parce que je me disais bien. Oh mince! D'accord. Oups! D'accord. On commence un petit peu à faire des acrobaties. Moi j'aime bien. Hop! Bah alors? Bah alors, les sauts sur les murs, Kev, on maîtrise pas? Voilà. Pratiquer, c'est tout. Bon, je peux peut-être monter là, non? Non, ça me laisse pas monter. Alors, comment je peux faire, moi? Comment puis-je faire? Attendez, il y a quelque chose là-haut. Alors, si je prends de l'élan... Yep, ça marche. Bon, par contre, si je saute sur les ennemis, ça le fait pas. Voilà. Ok. Comment je fais moi pour aller là-haut? Hop. Si je prends mon élan et que je saute. Ouais, non, ça marche pas. Hein. Il y a un truc qui m'échappe. Ou alors, il y a un moyen de faire descendre ce morceau de bois là.
Ouais, peut-être qu'il faut que je grimpe par là. Oh, wow, 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 wow. Alors attendez. Boum. Un lien d'âme, comme ça. C'est fait. Pas de mauvaise surprise. Ah, un rocher, tiens. Bah, voilà. Voilà, voilà. Bah non, attendez. Non, shift. J'appuie sur la mauvaise touche. Attendez, est-ce que je peux... Non, je veux pas le... Je peux pas le soulever. D'accord. Donc ça coince là, donc j'imagine... Pourquoi il va me servir? Attendez, il y a quelque chose par là, non? Ouais. D'accord. Donc là, ça commence à se corser un petit peu, hein, j'ai l'impression. Alors déjà, je me rate pour mes sauts. Ça promet, hein, ça promet. Qu'est-ce donc cela? Ah d'accord, une cellule d'énergie. Alors cette pierre, j'imagine que j'en aurais besoin plus loin. Oh mince. Aou ! D'accord. Mauvais timing, très mauvais timing. Donc on y retourne. Qu'est-ce que c'est calme. Bon, c'est un peu moins calme avec tous les pièges qu'il y a, mais... on se comprend, n'est-ce pas? Hop. Vite, 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 vite. Voilà. Ah, parce que je suppose, hein, évidemment, qu'on aura besoin de cette pierre plus tard. Bon, voilà, je recule pour pas me faire avoir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je reste bien hors de portée de cette chose. Ah ouais. Niveau précision, on repassera. Hein. Voilà. Hop là. Ah, et le petit levier, tiens donc. Ah bah je me doutais bien qu'il y avait un truc comme ça. Et oui tiens, je m'en suis pas aperçu mais j'ai ma deuxième pierre clé. Aouh. Ça fait mal. Vilain. Ah, j'ai trouvé un fragment de pierre carte. Place-le sur une pierre carte pour débloquer une nouvelle carte de zone. Cool. Cool, cool, cool. J'aime. Ouh, ça fait mal, n'est-ce pas? Donc, la pierre carte, si je ne m'abuse. Elle est en bas. Allez, allez, dégomme-le, dégomme-le. Ah, je me prends encore des coups. Hein. Non, c'est peut-être pas là. Non, c'était plus tôt, je crois. Excusez-moi, hein. Niveau sens de l'orientation, aujourd'hui, houhou. Mauvais timing, le saut, et voilà. Quel acrobate ce Ori, franchement. Ah, mais pourquoi? J'ai appuyé pourtant, je le jure. C'est tout, wow. C'est toujours le même passage en plus qui me pose problème, c'est étrange. Voilà. Ok. Alors je crois que c'est par là. Oui, voilà. Alors. D'accord, on débloque une nouvelle zone. D'accord. Et donc pour ouvrir la carte, d'accord. Ouais, donc on était là. Donc on a exploré tout ça, et... Bah Ori, il sait pas nager pour l'instant, je crois. Ah, je crois qu'il y a un point de compétence qui permet de, justement de... Ah oui, mais attendez... Ah oui, mais faut que j'aille sous l'eau, là, non?
Il y a un truc là en dessous là. Est-ce que je peux. Allez, on va aller voir vite fait. Attendez. Ben non, j'ai vu la carte à l'instant. Il n'y a rien par là. Il n'y a rien. C'est vrai que j'oublie, mais on a une carte. Je devrais m'en servir un peu plus souvent quand même. J'ai pas de points de compétence, d'accord. Toc. Hop, mince. Il y a un projectile et je fonce dessus, quoi. Hop. Donc on va voir par là. Ah! Il va falloir que je m'entraîne à esquiver les coups des ennemis. Alors, où est donc cette partie que j'ai manqué? Ah bah c'était en venant que j'ai manqué ça. Ah, c'est en dessous. Oui, mais comme je sais pas nager, j'imagine que c'est pas une bonne idée d'y aller. À moins que... Attendez, je teste quand même. Eh non, d'accord. Eh ben non. Ah, je pensais pouvoir sortir plus vite. Mais non, effectivement. On ne peut pas se déplacer sous le... Oh mince. Oh, ah, faut que je recommence tout. Ah mince. Oh, la galère. Ah, donc ça, c'est un autre truc qu'il faudra faire régulièrement, c'est sauvegarder, quoi. Oh mince, mais quel débile, j'ai voulu tester une théorie et j'ai pas sauvegardé avant. Oh, c'est pas grave, ça me permet de recommencer un passage, un des premiers passages compliqués, voilà, on va dire. Un des premiers passages plus compliqués. Alors excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec Fraps. Alors c'est pas la première fois, hein. J'ai déjà eu des petits soucis il y a quelques jours. Bon, je sais pas pourquoi, hein. Franchement, il y a des fois Fraps comme ça qui... Voilà, ou c'est plutôt mon PC tout simplement. Qui, lorsque j'enregistre avec Fraps, bah craque, apparemment. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Du moment que j'arrête l'enregistrement, que je le relance à temps, pour que vous soyez pas trop gênés, ça va. Comme ça, vous n'êtes pas trop gênés. Hop, j'ai failli me faire avoir. Allez Ori, bah Ori, allez. Voilà. Oups, oh mince, oh non. Oh, j'y suis allé trop vite. On n'avance pas très vite, hein. On n'avance pas très vite. Ah non, toi le crapaud, oui je crois que c'est un crapaud. Ouais. On va dire que t'es un crapaud, hein. Enfin, tu faisais un bruit de crapaud. Ou de grenouille, je sais pas, on s'en fiche. L'ennemi, le méchant, qui veut faire du mal à ce pauvre Ori, qui est pourtant une petite bête adorable, regardez-le. Il est pas trop mignon? Il est pas trop mignon, Ori? Bon, allez, un peu de sérieux, on se concentre. Voilà. Parce qu'en plus, ces machins-là, ils sont longs à détruire, hein, mine de rien. Bah, c'est à cause de ça que je me suis fait avoir. Et c'est à cause de mon timing pourri que je me suis raté. Et encore, c'est le début du jeu, hein. C'est le début du jeu. Oh là là, mais quel idiot, quoi. Bon. Dites quand est-ce que ce bon à rien avance dans le jeu. Ça vient. J'avance. C'est bon. Wow. Je me presse trop. Voilà. Bien faire le saut vers l'arrière, parce que c'est ça qui m'a coûté la vie tout à l'heure.
Allez, le dernier, tout le monde y passe. Voilà. Alors l'ennemi là, il y passe pas? Oui, il y passe, ouais. Parce que c'est moi qui l'ai décidé. Ok, ça c'est fait. Oh mais c'est qu'il y a plusieurs... Eh, hop, 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 hop. Eh, je me fais pas avoir, hein. Il y en a marre. Bah tiens d'ailleurs. Boum, voilà. Ça c'est le truc que je dois faire beaucoup plus souvent. Alors voilà. On revient vers la pierre carte. Boum. Donc on va avancer parce que... on a fait assez de bêtises comme ça. Wow. Je suis désolé, les petits ralentissements quand même de temps en temps. Ça fait mal, je sais. Aouh. Ça fait mal. Il est vilain quoi. Faut que je m'entraîne à esquiver. Hein. Bon alors du coup, où est-ce que je vais? Je peux aller en haut. Ah, il y a des trucs en haut. Oui, mais après j'imagine que je peux pas monter directement. Wow. On est encore de retour, encore un petit problème technique. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. J'aime pas quand ça se passe comme ça. Mais bon, je n'y peux rien. Alors c'est peut-être mon PC qui chauffe un petit peu trop, hein, c'est possible, parce qu'il a fait chaud aujourd'hui. Ah oui, il chauffe bien là. Oh là. Alors peut-être qu'il faut que je... Ouais, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je baisse la résolution. Ou que je mette pas en plein écran, c'est aussi... C'est aussi possible. En général, les jeux PC, je les mets pas en plein écran. La plupart du temps, parce que j'enregistre avec ma webcam. Et que si je mets le jeu en plein écran, je ne peux pas enregistrer avec ma webcam. Après, peut-être... ouais, peut-être que... Peut-être qu'effectivement, ça peut être une solution de ne pas mettre le jeu en plein écran. Là, c'est chaud, hein. Ah oui, là, forcément, si je les touche directement, c'est pas simple. Ah, mais quel idiot, j'ai pas sauvegardé, quoi. Il faut avoir le réflexe, hein. Bon, ça va, juste la pierre carte et les pierres clés à mettre, mais... Hey. Faut y penser. Parce que c'est pas bien, ça. Tac. Oui, c'est bon, merci, merci. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le menu pause, il y a les statistiques, y compris le nombre de morts. Donc pour l'instant, j'en suis à 8. Après combien de temps de jeu? 45 minutes. C'est pas cool. Bon, on est encore de retour, je suis désolé, encore une fois. Pour ce petit problème technique. Ça devient galère, hein, ça devient très galère. Mais bon, on va survivre. Enfin, mon PC va survivre, en tout cas, j'espère. Donc on va ouvrir le portail aux esprits. On essaie d'avancer un petit peu, puis on va certainement se quitter, parce que ouais, ça fait presque une demi-heure que cet épisode a commencé. Ouais. En général, je préfère faire des épisodes de 20 minutes. Mais bon, comme j'ai pas pu enregistrer l'épisode 2... assez tôt après le premier. C'est pas très grave si on fait un épisode un peu plus long que prévu. C'est pas très grave. Puis bon, après le troisième, je sais pas quand est-ce que je vais le faire vraiment. Peut-être que je vais encore galérer aussi pour l'enregistrer. Enfin, pour trouver du temps surtout pour l'enregistrer. Et là, je suis en train de galérer parce que j'ai peur de me faire toucher. Voilà, 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 tranquillement, tranquillement. Bon, décidément, j'arriverai pas à esquiver ce passage-là. Bravo, Kev, tu as sauté pile dessus. Si je galère déjà après même pas une heure de jeu, oh mon dieu, qu'est-ce que ce sera plus tard. Mais bon, je suis pas très habitué aux jeux de plateforme en général. Je pense que ça s'est vu. Et le curseur me gêne, là. Voilà, deux pierres clés. Oh purée, ceux-là ils vont vite. Oh là là. Là j'ai pas besoin de reprendre de la vitalité. Voilà, et bah voilà.
Non, c'était pas nécessaire ça. Ah si, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Ah oui, je me disais bien que cette petite plateforme là servait à quelque chose. Ouais, c'était pas nécessaire. Alors, qu'est-ce donc cela? Ces portails d'énergie ont été scellés par les esprits du passé. Si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons les traverser. Ah, d'accord. D'accord. Donc il en faut deux de plus pour pouvoir les traverser. Et d'après ce que je vois... D'accord. Ah oui, d'accord. Et après, on pourra retomber là où on était l'autre fois. D'accord. Oh bah, attendez. Ah oui, d'accord. Si on n'en a pas assez... On les récupère, c'est ça? D'accord. Donc il faut tous les avoir d'un coup, on peut pas les placer, repartir et aller en chercher d'autres pour revenir. D'accord. Bon, ok. Ok, ok. Bon, là, c'est évident, je ne passe pas. Ah, mais attendez. Ah. Bon, écoutez, j'ai encore eu un pépin technique, il va falloir que je regarde ça parce que c'est inquiétant quand même. Oui, je pense qu'il a trop chauffé parce qu'il a quand même bossé tout à l'heure, conversion vidéo, montage vidéo, enfin rendu de vidéo plutôt, et vous voyez un petit peu le bazar. Donc, on va s'arrêter là. Donc j'ai un petit peu galéré, hein, mais bon, faut pratiquer, hein, ça va bien finir par venir. Mais en tout cas, j'étais très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Ori and the Blind Forest. Et bah, toujours aussi magique, hein, mais bon, on n'a pas beaucoup avancé. J'espère qu'on avancera, parce que c'est de ma faute, hein, c'est encore de ma faute, ça je ne peux pas le nier, c'est entièrement de ma faute, je n'ai pas été doué. Donc on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour un troisième épisode sur Ori and the Blind Forest. Salut tout le monde, à la prochaine.